Eh bien, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 sur Soma, on reprend directement l'aventure. C'est parti. On s'était arrêté juste devant la navette, on avait pris Catherine dans notre Omnitoon. On va prendre cette navette, ou du moins, on va essayer de la faire marcher. On se rappelle qu'on avait vu une personne avec un casque. Une sorte de même type que nous, on n'en sait pas plus. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Est-ce qu'il marche? J'ai pas l'impression. Sorry, it's dead. With a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Cool. Level 3. On a pris un niveau. Et bah du coup, ce que je pensais, on va devoir aller partir là-bas. Ah, toi t'es un allié. Coucou. Petit petit. Hello. Ah bah me fonce pas dessus. Ah, ça c'est un rocher. Bon. Bon, rigolons pas trop longtemps parce que les angoisses. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Eh petit. Bon. Hein. Allons sur ce tuyau. Voilà, les zones des angoisses. Ok, reste là-bas. Je la sens pas. Hein. Trop calme. Y a pas comme des baleines là. Écoutez, lumière éteinte. Elle est juste devant, je l'avais pas vu. Il était juste devant. On le voyait pas. Écoutez, une lampe torche, ça sert à rien. Monsieur Crab, il était juste devant moi. Écoutez, il m'a pas fait tellement peur que ça, mais je le voyais pas, de toute façon. Accès accordé. Alors. La zone des angoisses. Je la sens pas, cette zone. Zone resserrée, escarpée. J'ai un truc qui fait tic-tic-tic-tic-tic dans l'oreille gauche au niveau du son du jeu. Où est-ce qu'on est censé aller? Par là. Il nous a vu de toute façon, donc il sait qu'on est là. Et j'ai cette impression qu'il peut se téléporter. Et nous on peut pas encore. Ah, je la sens mal cette sortie. Hein. Bon. Ok. Ça pour traverser une épave. Bon.
Oh, les angoisses, les angoisses. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. On ne voit rien. Écoutez, je vois trois lumières rouges au fond, à peine distinguables. Ah non, mais c'est trop. Les angoisses. Parce que finalement... Ah non, mais... Il va y avoir encore du cache-cache là avec tous ces éléments. Ce jeu me fait bien plus terrifier que Resident Evil 2 ou que Resident Evil 2, tu te dis c'est juste que des zombies. Là, tu sais pas ce que c'est. Forcément, le doute est total. Je sais pas si vous allez voir grand-chose à l'écran. Mais je n'ose même pas allumer la lumière pour pas me faire repérer. Oh, il y a une sacrée structure devant. Est-ce qu'on serait pas arrivé à Theta? Bah, même si j'allume la lumière, de toute façon, on voit pas grand-chose. Super, des requins! Où est-ce qu'il est encore cette saloperie? Oh, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette ambiance sous-marine. Cannassé par ces... Écoutez, j'ai très peur. Là. Vous savez, quand vous me voyez tourner à gauche à droite, c'est signe de... J'ai pas envie de me faire prendre. Et puis tout ça, c'est je sais même pas où aller. Qu'est-ce que c'est cette zone noire là? Écoute, ici j'ai l'impression qu'on peut pas y accéder. Il n'y a strictement rien ici. Ok, il doit avoir un accès par ce bâtiment. Mais elle nous fait peur avec ces battements de cœur là. Ah, une brèche. Pourquoi c'est rouge comme ça? Ah, les lumières, ok. Ça sent terriblement les angoisses. Je n'aime pas du tout cet endroit. Trop, trop calme. Ouais. Ça va surgir de nulle part, hein, je vous préviens. De toute façon, on peut pas aller plus loin. Il est lent. Est-ce que vous sentez arriver la poursuite de l'enfer? Où j'ai hurlé à mort? Ouais, les bruits n'aident pas du tout. Hein. Si vous voulez un bon jeu d'horreur, allez-y sur celui-ci. Hein. Merci à Epic Games d'avoir offert ce jeu. Super sympa. C'était bien calme, mais ça prend... Comme elle te donne, hein, ça prend son temps. Par contre, les chargements... All right, we're in. Ah. Let's find a working escape vessel.
Les chargements sont juste infâmes. Ça fait bugger. Allez, ouvre-toi. Elle se voit pas? Si. Allez. Sésame, ouvre-toi. Non, on s'ouvre pas. On peut pas tout ouvrir, hein. Petit chargement, on l'a vu, hein. Ah ouais, ça... Il est lent. Il était juste devant moi et je vais sur lui. Mon Dieu, quelle horreur. Mais est-ce que finalement, il est méchant? Oui, il est méchant. Ah! Fils de... Plus de choix. Cache-toi. Putain, mais il ne lâche pas! Mais c'est infâme! Cours, cours, cours! Run, run, run! Je pense qu'il peut nous tuer. Du coup, il est bien méchant. Il m'a fait tellement peur. Est-ce qu'il peut ouvrir les portes? Oh, ce cri que j'ai fait ouais. Ça, j'ai pas avancé. Mon Dieu. Écoutez, je reprends mes émotions, mes esprits. Mes Starfall. Putain, mais c'est pas possible! Comment il sait que je suis là? Mais c'est infernal! Casse-toi! Laisse ma vie! Laisse ma vie. Oh, l'épisode de l'enfer. Bon, maintenant on sait qui peut se téléporter. Et qui m'a fait peur. Du premier coup. Mais faut pas qu'il se tépe devant moi. Parce que j'ai encore hurlé. Derrière, ça me dérange pas parce que tu le sens. Mais alors, mais. Quelle horreur. Quelle horreur ce monstre. Je sais pas s'il y a une issue ou si on doit activer quelque chose, mais il rôde. Il rôde en tout cas, et surtout dans une pièce en particulier. C'est là où il se trouve. Est-ce qu'on doit lui... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à chercher, une issue, je pense? C'est pire que Mister X, hein. Laisse tomber. Écoutez. Je pense que la meilleure chose c'est de s'enfermer. Du moins parce qu'il pourra pas nous atteindre. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver ici? Ah, d'accord, on est en 2102. Ah, des cadavres, intéressant. Bon. Ok. Où es-tu? Cette angoisse. Ça, quand ça bip pas fort, c'est qu'il est...
Ok. Il y a sûrement un endroit où on peut se barrer. C'est un cul-de-sac. Je sais pas du tout. Ici, cul-de-sac aussi. Oh putain! Oh non. Oh non. Non, 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 non. Je n'ai pas envie de mourir. File, y a rien ici. Si le jeu est senti, il n'est pas censé venir par là. Que fait un ennemi qui va dans un cul-de-sac? Parce que même Mister X n'y va pas de toute façon. Écoutez, ça, la situation a l'air de se calmer. Alors voilà. Alors voilà. T'as l'impression qu'il te poursuit, du coup t'as envie de te barrer, mais il te fait des screamers comme ça avec l'écran, et y'a rien en fait. L'angoisse. Il était juste à côté, hein. Il est juste à côté. Et je crois qu'il vient d'ouvrir la porte. Ah, il m'a tué. Écoute, on sait où qu'on doit aller à peu près. Vite, je pense que c'est de la vie. Ouais, c'est de la vie. Non seulement c'est de la vie, mais je pense qu'on devait mourir aussi. Il peut ouvrir les portes. Mais comment le combattre? À part fuir. Bon, maintenant on sait qui c'est. Il faut qu'il évite de surgir de n'importe où. Mais où est-ce qu'on doit aller ensuite? Faut même pas courir, parce que ce serait... Écoute, je crois qu'on a passé la zone. Quelle angoisse terrible. Oh putain. Holy shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Fais demi-tour, s'il te plaît. Il semble qu'il fallait monter directement à l'échelle. Et quand il fait ce gros bruit là, cet écran, c'est qu'il nous a perdu de vue. Je commence à comprendre. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans la pièce à côté là? Ou dans le couloir? Et il attend devant l'échelle. Je sais pas. Où est-ce qu'il est?
Mais où est-ce qu'il est? C'est l'enfer. Il peut se TP, il peut nous tuer, nous on peut rien faire. De toute façon, il va nous choper, quoi qu'il arrive. Ah, bordel de. Ah, mais on fait peur les objets en bas. Écoute. J'ai l'impression que l'angoisse c'est pas terminé. Ok, c'est très très bizarre les toilettes dans tous les sens là. Hop, on fait popo. Allez, y a rien ici. Il y a trop de chemin, il y a trop de trucs. Et vas-y, tu veux passer par là, par ici. Ça, c'est la navette. Huh? What? Oh, you made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close, it'll mess with your circuits. Ah, shit. We need to get out of here. I know, I'm going. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Ok, donc ne les regardez pas et ne vous en approchez pas. Donc si tu le regardes... Ouais, mais... C'est vrai que je m'en approchais pas, mais je regardais, donc ça n'allait pas forcément... Ok, bah c'est le retour des angoisses, hein. Écoutez... On connaît notre ennemi, qui est pour l'instant un simple... Il est là. S'il nous regarde trop longtemps, je pense qu'il se TP à nous. Ne regarde pas, le gars il est en plein milieu de la pièce, il est sur tous les angles. On est coincé. Écoute, t'es un sacré petit saligo. J'espère que dans Nemesis, enfin, si c'est le prochain remake, ça, on doit passer que par là, donc. Est-ce qu'il y a moyen de le contourner? Il arrive. J'ai l'impression qu'on a passé une première zone. Zone suivante. Attendu. Bon,
Il peut nous suivre, donc il peut pas nous. Je sais pas s'il peut encore nous brain. Dire il part d'un côté de Finito, va dans l'autre sens. Écoute, il nous a l'air de nous avoir suivis. Ce qui n'est pas plus mal. Il y a tellement de portes et de choses. D'en aller. C'est marrant hein, quand même cette petite physique. Écoute, là il y a clairement un truc, on peut pas y accéder. Ah. Non, y a rien. Y a rien, hein, on est d'accord. Ah, si là. Bruh. J'ai pas vu. C'est que du blabla. Ici, on a un coin pour se soigner au préalable. Ok, on a les endroits pour se soigner. Il y a eu un chargement, on est d'accord. Hein. Petit mais discret. Il y a tellement de choses, tellement. Pièce que tu peux ouvrir la porte et surgir juste devant ta tronche. Voilà, zone des angoisses. Franchement, ce secteur là il est ultra vénère. Ceux qui ont la foupille d'être sous l'eau, bah franchement, je sais pas où je me dirige. Hein. Je me balade, j'avance tranquillement parce que j'ai l'impression que courir. Y'a plein de trucs à débrancher là. Écoute, on arrache tout. Ah. Elle est juste là. Hello. Run! Run for your life! Run, bébé, run! Ta-ta-ta-ta! Il est juste derrière. Faut se souvenir où qu'on est passé. Est-ce que si on monte tout en haut? Ah non, c'est bloqué. Ah, je suis mort. Ce screamer de l'angoisse que je me suis pris. Vous êtes mort, oui, je sais. Appuie sur une touche pour essayer. Bien sûr. Réessayons. Aïe aïe aïe. Waouh, waouh, le jeu. Reviens à moi, s'il te plaît. Je pense que c'était la seule idée, hein. Écoute, on va éviter de débrancher ceux qui sont au fond. Qu'il en sort, tombe là, on est plus loin que lui ce coup-ci que la première fois. Allez, run. Cours. Ah. ABCD. Est-ce qu'il faut redescendre tout en bas? Mais non, mais. Ah, cours, mais reste, flotte pas, bon sang. Mais arrête de flotter. Ah. Où est-ce qu'on va? Bon, on se barre de là. Oh oui, la navette. Allez vite. Je vais m'asseoir. Ok, on s'en va. Can you steer this thing?
Starboard rudder is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta, should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon, what are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WoW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, it's not like that. The AI isn't a persona, it doesn't feel or think like we do, it's more like a cancer. Ça a pété là. Looks like your sabotage worked better than expected. Brace for impact! Hold on, the blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Donc on va à Delta, comme je l'avais pensé. Ok. Oh, l'explosion, c'est vrai que les explosions sous-marines sont assez méchantes. Que ce soit dans les jeux ou dans la réalité. L'explosion sous-marine, c'est 10 fois plus puissant qu'une explosion sur Terre. Parce qu'il y a du souffle sous-marin, des fortes courants. Et c'est très dévastateur. Hein. C'est pour ça qu'il y a des tsunamis. Hein. C'est à partir d'une explosion. C'est ravageant. Ok. On est là. Bon. Waouh, je suis en... J'en ai bavé. Eh bah écoutez, on va s'arrêter là. Ça fut pas mal. Vraiment énervé, ce monstre. Il m'a fait peur hein, plusieurs fois. Une bonne première fois en tout cas, quand elle a spawné devant moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour la suite. J'espère que vous aimez ce let's play. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.